des informations comme quoi il y avait un stock d'armes qui avait été volé aux Russes sur cette île et que vous alliez devoir aller le récupérer. Tout simplement, je vous conseille de faire extrêmement attention, les routes sont très sinueuses. On a eu quelques informations comme quoi des transports avaient été attaqués auparavant. Si vous ne pouvez pas récupérer la case d'armes, je vous invite à la détruire. L'objectif, c'est que l'ennemi ne doit pas récupérer les armes. Ils ne doivent pas pouvoir les utiliser. Vous allez devoir traverser la ville. Sauf que la ville est en conflit actuellement avec les forces rebelles contre les forces miliciennes russes. Ils s'affrontent dans la ville, donc je vous invite à la plus grande prudence sur zone. On essaie d'avoir une vitesse de maximum 40 km/h, s'il vous plaît. Alors, c'est quoi le truc de la mission? Donc, on part de là, on arrive au premier checkpoint. Ok, des leaders pour escouade à tous. On va arriver au premier checkpoint dans environ 500 mètres, au point safe. Dès qu'on arrivera au point safe, on fera juste un petit check des alentours et on continuera la route. Prenez une petite distance de sécurité quand même. Allez pas trop vite. Quelle distance pour le régulateur? Environ 40 mètres en avant. Quelle vitesse, pardon? Ah, 40 km/h maximum. Il y a déjà des bunkers ici. Des bunkers souterrains sur Porquerolles. Ok, on arrive dans environ 200 mètres au premier checkpoint, attention. On surveille les alentours, on surveille surtout les collines. Ouais, je t'ai entendu, c'est bon. Ok, deux leaders pour Bœuf, maintenant vous prenez direction au point Charlie. Je pense qu'on devrait s'arrêter ici en fait. Leader pour Bœuf, rectification, stopper le convoi. De leader pour tous, on arrête les véhicules, un à droite, un à gauche, on descend, on dirait qu'il y a de la résistance au point Charlie. On arrête les véhicules en forêt ou en isère, hop, on descend, on va juste checker le petit avant-poste qui est à côté. Juste par contre pour info de ce fait, Sepu, t'es au chef d'équipe du troisième véhicule et Mikael t'es au chef d'équipe du premier véhicule. Donc quand vous descendez, les deux chefs d'équipe me font un check, un statut de tous leurs membres. Ils font juste un check pour savoir si tous les membres sont descendus. Et comme ça j'arrive à... Ça me permet de me Ah bah c'est coordonner. drôle ce que tu dis parce que j'étais avec DJ, on était que tous les deux dans notre véhicule. Justement. Ok, merci, bah bleu en position. Ok Jordan, tu me check vite fait avant poste, tu regardes s'il n'y a pas des mecs dedans, parce qu'en fait ça nous bloque d'avancer au point Charlie. Le point Ouais, bah Charlie il non, se mais. trouve en plein milieu d'avant-poste en fait. Ah, j'ai vu sur un mec au fond là-bas. J'avais pas prévu Vu ça. le checkpoint sur la Omega, route. Oui. C'est là en vert, voilà. Ah, il y a le checkpoint en Voilà. azimut à 320. On est l'équipe démolition. Trinôme. Le checkpoint Azimut Ok. 320. Ouais, je vois, Ouais. vu. Bah, Au juste final, derrière, il y a la tête d'un on en mec qui déduit dépasse un qu'on est buisson. l'équipe démolition. Ouais, je vois. Un Ouais, ATM, un en effet. opérateur. Bon, on a bien fait de s'arrêter là. L'opéradio. Ce qu'on va faire dans ce cas-là, c'est que point L'opération. Charlie, on va Pour l'annuler. l'instant, d'artillerie. On va partir au point D. Par contre, moi, je viens d'avoir un coup de téléphone et j'ai peut-être de la famille qui va arriver. Ah bah, tu nous laisseras tout ça Ok. dans la boîte. Attends, reste là et tu me tiens au courant par radio s'il y a un. Camigo était où? Non. Il est parti pisser. Vous avez tous des priorités, hein, c'est incroyable. Bah, référence à un joueur russe. J'suis toujours là. Ok, donc ce qu'on va faire, c'est. Tu vois ta carte? On va passer par le champ qui se trouve à notre sud-sud-ouest. On va partir en direction du point Sur la Delta. longue. Ouais, on va partir en direction du point Delta. Le point Delta. Attends, je vais juste baisser le volume de la longue. Voilà. Donc le point Delta, on part au point Delta, on se regroupe et on va faire une avancée en deux côtés sur le fort de Repentance.
enfin en fait non. Non, négatif, négatif. Micro, en fait. Je vais modifier les coordonnées. Ça marche mieux maintenant, donc je t'écoute. C'est un test radio. Ok, bien pris. Je sais pourquoi on m'entend pas à la radio, quoi, je suis trop en boulet. Ok, donc c'est plus, tu vas faire avec ton escouade, donc ton équipe comporte Omega avec toi, vous allez faire la fin de la marche. L'équipe de Mikaël en fait va faire le début de la marche, on va partir tous ensemble au point Delta. Arrivé au point Delta, on se rendra au point Gamma, on sera toujours en colonne. On essaiera d'éviter s'il n'y a pas des patrouilles ennemies ou autres. Et arrivé au point Gamma, on va justement se séparer en deux escouades pour rejoindre nos points respectifs. Donc ça je vous rappellerai quand on arrivera au point Gamma. Pour l'instant, je vais voir Mikaël. Kylian ? Oui. Donc je ferme la marche avec Omega. Quand tu dis chacun son axe de progression respectif, noir, c'est qui ? Ça, on verra ça tout à l'heure. Normalement, ça sera Jordan qui ira avec une escouade, vu qu'il sera plus au-dessus. C'est un point qui est plus élevé que les autres. Donc on... Okay. Yeah, Mikaël ? Ouais. Par contre, j'ai un gros souci. Viens voir au pick-up. Yes. Alors pick-up, tu vois ta carte? Donc ce qu'on va faire c'est que nous on est ici. On va partir au point Delta qui se trouve au sud de notre position. Ok. Et arrivé au point Delta, on continuera en colonne. Putain. Pour aller jusqu'au point Gamma. Et au point Gamma, on se séparera en deux escouades. Une escouade qui prendra justement la route principale. Ou la route principale qui contournera par l'est. Et une autre escouade qui prendra le TP et qui ira en position sur les hauteurs afin d'avoir un meilleur visuel. Voilà, donc tout va à marche, tu prends tes trois gars, vous formez la colonne et on y va, en avant tout au point Delta. Alors, allez, c'est parti. Il y a des persos qui disparaissent et tout. Le leader pour toutes tes squads, vous écoutez vos chefs d'équipe, on forme la colonne, on part en direction du sud. Le leader pour chef d'équipe bleue. Équipe bleue, l'écoute. Tu essaies de prendre le maximum de forêt. Merci, mais on va arriver sur un grand champ. Débrouille-toi. Cherche un passage. Je sais pas. Je vais inventer de l'herbe, mais y a rien à des kilomètres. Ok, bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va traverser en tiroir. Escouade bleue, vous allez passer devant. Attendez, on va tous se regrouper. Les bleus va passer devant et ainsi de suite. On va passer escouade par escouade. Il y a une maison abandonnée sur notre gauche en plein sud. J'aimerais que quelqu'un la surveille. Et pour l'instant sur la droite on n'a rien. Ok, donc rouge et vert en position. Bleu, vous préparez à traverser vers le point Gamma. Allez-y. Attendez mon ordre. Tiroir, t'entends en ligne? En tiroir, j'entends que c'est d'abord vous qui traversez, vous nous couvrez et c'est nous qui traversons. Allez, bleu, c'est parti. Allez, bleu, on y va. J'ai rien en visuel, moi perso. Non plus. T'as pas un contact là-bas sur la colline en plein sud? Plein sud-sud-ouest? Que dalle. Ok. Leader à bleu, vous êtes en position? Blanc. Ok. Escouade verte, c'est parti en avant. Gamma, il est là.
Ok. Ok tout le monde, on va reformer la colonne. Et les bleus, vous passez en avant, on garde toujours 10 mètres d'intervalle. On reforme la même colonne qu'avant, tout le monde à la même place. Squad bleu, vous allez partir en direction du sud. Vous allez rejoindre le point Echo. Vous allez rejoindre le nouveau point Echo qui vous a été attribué. Et concernant les squads vertes et le TP, vous allez venir avec moi. On va emprunter la route qui passe en direction de l'ouest. Wait. Oui, exactement. Direction de l'ouest, en direction un peu du nord. Donc on va complètement contourner. Attendez avant de vous relever parce qu'il y a un éco véhicule qui passe. Ouais, sud-est, il descend. Pour la route, on va utiliser pour l'équipe verte. UAZ. Est-ce que c'est un UAZ qui est armé ou pas? Je peux pas te dire. Quelqu'un a un visuel sur UAZ? Négatif. Ok, on se met en route alors. Séparation, équipe bleue de son côté, équipe verte avec moi. Et ETP aussi. Bien reçu, règle d'engagement. Évitez de vous faire repérer, ouvrez feu que si nécessaire. Il est passé où ce UAZ? On reste en contact radio hein, permanent. Merci. Ouais, j'ai UAZ en visuel, c'est juste un simple UAZ, hein, pas de batteuse, UAZ basique. Ok, équipe verte, on va taper un petit sprint pour être en forêt, et FISA. Ok, pause pour tout le monde, pause pour tout le monde. Stop, on est où? Putain, on a complètement dévié de trajectoire. Hein. Ok. On devait suivre la route. Ouais, mais non, en fait, on va pas suivre la route, c'est trop risqué. Non, là, faudrait qu'on la traverse. Mm. On continue plein ouest. Plein sud plutôt. Jordan, c'est bon pour toi, t'es reposé? Ouais. Ok. On se remet en route alors, tout le monde. Putain, j'avais pas vu la route. Leader pour Escouade Bleu. Équipe bleue, elle écoute. Ok, stop, tout le monde, stop, pause, pause, pause. Dur de faire une pause quand ils arrivent. Je vois, on est bientôt. Rectification de l'objectif, il est pas en pente, donc ETP ne nous servira pas pour celui-là. En revanche, si t'as bien regardé, il est juste au-dessus de nous en direction de ton nord normalement. Leader pour Escouade Bleu, tu me confirmes que l'objectif est en direction de ton nord? Négatif, sud-est. Sud-est? Ah oui, confirmation, bon. Ce qu'on va faire, on va progresser très lentement sur l'objectif. On essaie d'éviter que l'un d'entre eux ouvre le feu. S'il y en a un qui ouvre le feu, on se dépêche de checker rapido sur le campement. On libère les otages et on repart illico sur la position Echo, sur la nouvelle position Echo. C'est bien pris pour tout le monde? C'est bien pris. Bien le haut commandement, bien pris, leader. Escouade Alpha au commandement. Bon, ok. Commandement, j'ai. A tous, on y va. Squad Alpha, on se prépare à attaquer le pont où sont retenus les otages. Terminé. Bien.
As-tu mis à jour Squad Leader? Oui. J'écoute. Ah oui, c'est le Davinor, pardon, excuse, j'avais pas compris. Statut mis à jour. Passé en voie faible. Ok, équipe verte, on est en position. Tout le monde s'arrête. On va être en position. C'est bon. Vous êtes tous prêts? Ouais. Affirme. Ok, en avant tout à l'heure. C'est parti. Ok, équipe verte pour équipe bleue, on commence à avancer dans le campement. Gaffe aux IED, batteuse fixe, grenade, tout ce que vous pouvez. Évitez de balancer un maximum de grenades, on essaie de rester silencieux le plus longtemps possible. Même si ça tire, on reste silencieux, pas la peine de retirer. Je pense qu'on pourrait. Putain. Je t'en passe, co-tire et co-tire. Il y a terre, il y a terre. C'est de notre côté, c'est de notre côté. C'est bon, c'est bon, il y a. On continue, mais on va devoir faire vite, Mika. Bah, on sait pas de grenade dans le campement parce qu'il y a encore des otages. On entre dans le campement par le sud-ouest, plusieurs contacts. Attention, je suis juste derrière toi. Escouade Alpha, commandement, l'assaut est donné, terminé. Par les transmissions. Est-ce qu'on a pas un mec dans la. Bien pris. Y'en a un dans le bâtiment. On continue. N'oubliez pas, usage de grenades formellement interdite. Il y a une batteuse dans le bâtiment là, juste dans le bâtiment au bricheur à l'intérieur. Alors attends, parce que là on va dire je suis pas en condition de tirer correctement. Et j'ai équipe verte, vous pouvez progresser, hein, je couvre de dessus, c'est juste. Je reste à l'extérieur. You, celui qui. J'arrive pas. Ok, j'ai un otage en visuel dans le bâtiment et un mec de neutralité. Ok, bâtiment. La tour radio. La tour de contrôle, tu confirmes? Je décale, bougez pas. Fine, rally up. Et toi, tu regardes où là? J'ai un otage avec moi là. Y'a un mec qui est un peu. Enfin. Oh, oui. Y'a un contact dans la tour radio. On pourrait peut-être aller le chercher pour pas qu'il alerte. Ouais. Et équipe B, vous vous dépêchez de monter dans la tour radio, je veux plus voir le mec qui est en haut. On a un Miguel qui est mort. Bon, j'ai raté, oui. Avec toi, Kylian. Bon, le bâtiment est clair. Deux packs abattus. Le bâtiment de gauche est clair. Le bâtiment au fond de la tour est clair aussi. Il nous reste que la tour à sécuriser, les gars. Le joueur U, bâtiment à l'ouest, un otage. Affirme, sécurise le bâtiment. On va commencer à rentrer dans la tour, je veux une colonne avec moi. Tu te sens de passer en premier? Non, je passe en premier. Passe en premier, faut mieux. Ok, à tous, on rentre dans la tour, c'est parti. Attention, doucement, doucement.
Ok, RAS pour l'instant. On va inspecter l'étage de la tour de contrôle. Attention. Attends, j'ai vu du mouvement. Jordan à terre. Tireur à terre. Essaie de... Tu as eu Jordan à terre. Tu as eu non, c'est Jordan. Tireur neutralisé, un otage dans la tour de contrôle. Ouais, en haut. Beau gosse. Ouais, ok, c'est bon. Otage dans le bâtiment du sud-est. Tour de contrôle sécure. Vous avez sécurisé un homme à terre. L'otage dans le petit bâtiment. Tu peux prendre Omega, l'otage. Ouais, vas-y. Bon. T'as cette fenêtre. Que là-bas on avait un espèce de camp bizarre. Ouais, par contre on devrait se dépêcher. Hein. Ok, à tous, il y a combien? Deux otages du coup? On prend les deux otages, on retourne au véhicule tout de suite. Pas de temps à perdre, ceux qui n'ont pas d'otages, vous sécurisez la zone. On a combien? Il nous manque 1, 2, 3. On a perdu 3 membres dans l'assaut? On a perdu le médic. Escouade Alpha pour commandement. On a perdu le médic, on a perdu le TP. Nous avons sécurisé les otages et nous dirigeons vers nos véhicules pour extraction. Arrête de chier, oui. Alors c'était qu'une balle perdue, bah oui. Information comme quoi mon véhicule se dirige vers votre position, messieurs. Faites vite. Ouais, on se bouge. Opérateur radio pour Squad Leader. Faut qu'on aille où? Position écho. Écho, position écho, c'est parti. Tout le monde en avant, on me suit, on part en direction du sud, on va bifurquer à l'est maintenant. Squad Leader, écoute. Le commandement nous signale qu'un véhicule est en dépassement sur nous et nous devons nous dépêcher. Affirmative, bah c'est ce qu'on fait. Et il confirme que c'est un Ifrit. Oh non, trop tard. Et attends, il y avait encore un otage, tu l'as pris Mika? Je suis du sud-est, oui. Il y a deux otages, c'est bien ça? Négatif, il y avait trois otages, il y avait un troisième otage au sud-ouest. Ok, les deux mecs qui ont les otages, vous restez ici, Jordan, tu restes avec moi, Jorarius et Omega, vous allez chercher les deux autres. Dépêchez-vous. Ok, à toutes les squads, on fait mouvement en direction du nord. On descend à colline en contrebas en direction du nord, tout le monde. Ce véhicule remonte la montagne. Il arrive. On rassure vous. On n'a pas plus d'informations que ça pour le moment. Le pré-commandement. Terminé. Ok, pour toutes les squads, halt. Qui c'est qui a pas d'otage dans les mains? Ok, Joe, tu passes en avant, tu es éclaireur, je vais rester en arrière. Jordan, tu restes un... Essaie de partir en avant pour de la reco avec ton fusil de précision. C'est plutôt gay comme randonnée. Essayez de speeder les gars, on est en visuel du campement. Ok, les véhicules sont plus très loin, 100 mètres sur notre gauche, en plein nord. Hélicoptère qui décolle. On continue, on se dépêche d'atteindre des véhicules. J'y arrive pas, moi. On atteint les véhicules quand même. Ça passe, on est à peu près caché par les arbres, ça passe. Allez tous au véhicule, vous mettez un otage par véhicule, je veux pas prendre de risque d'en perdre un en trois véhicules donc.
Ok, bon, bah, comme il disait dans les informations. C'est bon pour l'otage de l'équipe. Ouais, affirme. Par contre, on a un putain de campement qui est en face de nous, là, en plein ouest, c'est. Sur la montagne, c'est immense. Où sont placés les otages? Dans quel véhicule? Faut mettre un dans chaque. Véhicule arrière fait, véhicule de tête fait, il manque véhicule leader encore. Ah bon, tu sais quoi? On va foutre dans notre véhicule, c'est pas très grave. On va pas se embarquer. Ah, je peux pas l'embarquer. Voilà. Ok, c'est fait. Donc on a deux prisonniers dans le véhicule de tête et un prisonnier dans le véhicule arrière. Donc on va changer l'ordre. Pour l'instant, tout le monde reste sur place. L'hélicoptère est un peu trop chiant. Le prochain objectif, c'est d'aller justement en direction des caches d'armes dans la ville. Mais alors pour ça, on va devoir faire du off-road. À l'opérateur radio, tu transmets qu'on se dirige vers le laboratoire qui est indiqué sur carte. C'est bien pris. Allez, on se met en véhicule. Après. Apparemment. Squad Alpha en direction laboratoire. Oui, parce qu'en fait, le laboratoire a communiqué avec le QG. Ils ont accepté de prendre des scientifiques, donc ils savent qu'on est là. En théorie, c'est censé être safe. On se remet tous en véhicule et on s'en cul. Audio hélico. Oui, affirme, c'est l'hélicoptère qui repasse. Il semble revenir. Tu montes avec nous, monte avec nous. Là, derrière toi. Ah oui, bah du coup, ouais, vu que Mika est tout seul, tu vas monter avec DJ. Ok, tout le monde suit véhicule de tête en avant, vous suivez Jordan et moi. Donc c'est parti, tu prends la route, tu tournes à gauche directement. J'ai du off-road ou quoi directement? Ouais, vas-y, off-road directement. Allez, marche arrière toute, on part en arrière. Vas-y, bah tu continues en face de toi jusqu'au point A. Et arrivé au point A, on prendra un peu plus sur la gauche, bah tu verras. Ouais, de toute façon c'est... Sur la à fond les ballons, on se dépêche, j'en ai marre d'avoir les scientifiques à côté de moi. Vas-y, continue, t'es au moins à 200 mètres encore. Avec temps. Tu sais quoi, suis le fou du volant qui est tout là-bas. Attention, un véhicule derrière nous, ouais. Ah d'accord, c'est pas texturé le truc. Prends la prochaine à gauche dans 50 mètres. 25 mètres. Maintenant. Vert arrivé au labo. Ok, débarquer les scientifiques, mettez-les à côté, on reprend nos véhicules et on se bat. Et doucement, écraser personne. Ah bah il est là le connard sa tour. Ah bah. Allez, on se gare ici, ouf. C'est bon. C'est bon. Descendez. On est fou, il est sur scientifique. À côté. Bonjour. J'étais prévenu de votre arrivée. Bien. Vous pouvez mettre les scientifiques dans le bâtiment. Ils seront en sécurité. Bien. Bon, vous avez entendu Yuri Kazaraï, hein. Allez, vous mettez tous dans le bâtiment. Mettez dans le bâtiment, lequel bâtiment? Celui-là là? Exactement. Ah. Je vous remercie de tout ce que vous faites pour mon peuple. Y'a pas de soucis, hein, on est à force, hein, force Miguel. Française. Ah, il pensait à les libérer quand même. Par contre, je peux savoir ce que vous allez en faire dans le laboratoire? Si c'est pas trop indiscret. Un peu trop indiscret. Très bien, c'est pas vraiment notre boulot de toute façon. Exactement. Bon, allez s'il vous plaît, on se dépêche, tes trois otages sont dans le bâtiment, c'est bon? Otage par Jarius dans le bâtiment. C'est bon. Ok, bon. On reprend tout ce véhicule alors et on part, on suit nos points. Au commandement, on a déposé les otages au laboratoire. On reprend la route. Ouais, le commandement il te captera, t'inquiète. Ouais. Allez, tout le monde reprend son véhicule, on suit, on se remet en colonne. Véhicule de tête. Nouveau véhicule de tête, Jordan et moi.
Deuxième véhicule de tête, le véhicule de équipe B, donc à savoir Miguel. Attends, moi je reste. Ici, QG, bien pris. Jean-Yves, t'attends. Allez tous, on y va, c'est parti. On part en direction de David, enfin en direction du cimetière. T'as un GPS Oui. Ah, moi j'en ai pas. Vous avez eu des complications avec le gérant local? Négatif, pas de complications. Putain, le gérant local il me fait flipper avec son accent, hein, j'avais pas confiance en plus. Il paraît, tu vois, il paraît tout doucement en mode oui, c'est pour le travail. Nous ne pouvons pas vous répondre. Par contre, il me paraissait un peu suspect, on dirait qu'il allait faire des choses bizarres avec ses otages. À part ça, c'était correct. Ça, c'est pas notre problème, les gars. Allez, tu prends la prochaine à droite. Ok, essaye pour tout escouade, est-ce que tout le monde suit? Affirme. De l'équipe verte qui ferme. Équipe bleue, on suit. Ok, de leader, c'est bien pris pour tout le monde, terminé. Tu prends la prochaine à gauche. Ok, tu vas continuer sur 100 mètres. Tu vas arriver au point C. Putain, j'espère vraiment qu'on va pas se faire. Parce que les routes sont pas sûres, on m'a dit, mais bon, c'est un peu le seul moyen. Quoi. On passe. Escouade AFA pour commandement, nous avons un hélicoptère. Prochaine à gauche maintenant. Ok. Tu continues sur environ 150 mètres. Appartient à l'armée russe. De leader pour toutes les squads, en cas de contact majeur, en cas de contact mineur, on passe en force, on s'en soucie pas. En cas de contact majeur, tout le monde, tous les véhicules partent sur la gauche directement, on s'arrête et on riposte. En théorie, tout devrait bien se passer. Oui, squad leader pour opérateur radio, j'écoute. Le commandement nous informe que l'hélicoptère est de russe, terminé. C'est bien pris. Deux leaders pour opérateur radio. Ah bah l'hélico il reste planté dans le vent. Est-ce que tu pourrais envoyer un message au QG en leur demandant si des résistants, enfin si la guerre entre les Russes et les résistants dans le village, est-ce qu'on a des alliés, est-ce que la France est en conflit, ou enfin comment ça se passe, est-ce qu'on pourrait avoir des alliés, parce que si on va dans le village on va se faire tirer dessus par tout le monde quoi. Ah oui, je m'en renseigne. Ok, attention, il y a un petit virage. Squad Alpha pour recommandement. Commandement à l'écoute. Putain, c'est vraiment étroit cette merde. On voudrait savoir des informations sur ce qui se passe en ville. Attention, virage à droite. La présence de conflit entre Russes et résistance et rebelles, ou c'est neutre. Tu vas prendre la prochaine à gauche dans 50 mètres, au-dessus de la. Au-dessus de la colline. À part qui propose. Allez, prochaine à gauche maintenant. Ça va bien se passer dans le village. Oh putain, mais. Il n'y a pas au commandement. C'est vraiment des merdes ces routes, hein. Opérateur radio pour Squad Leader. Squad Leader, écoute. Le commandement m'informe que la Russie est alliée avec la France. À part, nous sommes pas alliés avec les rebelles locaux. Mais que nous vont faire gaffe, peut-être cause de quiproquo avec certains Russes. Et sinon, le village est sous contrôle semi-russe. Ok, prochaine à gauche, vas-y. Ok, de squad leader c'est bien pris. Veillez par contre à demander au QG des informations concernant les tenues des résistants. Est-ce qu'ils portent des tenues russes? Est-ce qu'ils ont réussi à piquer du matos russe ou pas? Parce que si on se met à tirer sur nos alliés, ça va pas le faire. C'est pris. Squad Alpha pour au commandement. Commandement à l'écoute. Voilà, mais paye ses routes quoi, putain, c'est incroyable. Sur l'équipement des Russes, des rebelles. Parce qu'on arrive dans un projet de carte. De l'équipement russe ou autre faction. Jordan, conducteur de Extrême, prends la prochaine à gauche maintenant. À la suite du vol, les rebelles ont réussi à. Je crois qu'on. On a sauvé les autres véhicules du convoi. Continue. Tu prends, ouais, vas-y, tourne à droite, tu suis la route, et là tu vas prendre la. Putain, qu'est-ce qu'il fout là sur.
Tu vas prendre la prochaine à gauche dans 25 mètres. Attention, maintenant. Squad leader à écoute. Ok, prends la prochaine à droite. Les armes russes, donc pas de différence. On a la seule chance de les reconnaître. Parfait, continue sur 100 mètres et on devrait être arrivé au point G. Pour... Ah bah non. Mais non, en fait, le point G sert à rien. Mais tu prendras la prochaine à gauche dans 25 mètres. 15 mètres, 10 mètres, 5 mètres. Maintenant, le squad alpha. Squad alpha, l'écoute. Putain, mais en fait, j'entends toutes tes communications. Tu tournes à droite. Ouais. Déposer des otages. Ok, là tu vas continuer tout droit. T'as une route qui va tourner à droite dans, okay, dans très peu de temps, mais tu continueras tout droit. Les soldats. On devrait. Ouais, on va faire comme ça. Bien pris. Ok, à partir de maintenant, tu vas prendre la prochaine à droite dans 75 mètres. Ok, de leader à toutes tes escouades, on devrait pas tarder à être arrivé. Attention aux turbulences sur la route à cause du mauvais état de la route. Négatif. Prends la prochaine à gauche maintenant. J'ai oublié. Je regarde pas tout le temps la carte. Ok, tu continues tout droit sur 500 mètres au moins. Et là, on devrait arriver au point H et on devrait être à côté des avis. C'est là où ça va se corser. Ok, de SA à toutes les squads. Arrivé au point, au checkpoint numéro H, nous allons donc refaire notre formation de convoi, à savoir le véhicule de. L'ancien véhicule de tête de l'équipe B va passer en avant avec la gunneuse vu que nous allons pas tarder à passer à côté d'un village. Voilà. Je vérifie qu'il n'y a pas d'IED sur la route aussi, on sait jamais à cause de cette connerie. Ok, pour tout le convoi, halt. Le véhicule B, tu passes en avant et on continue la route en prenant à droite. Allez, en avant. Ah, sans gêne quoi, le véhicule. Ok, ouvrez bien les yeux tout le monde. Le commandement nous informe qu'il serait équipé comme les Russes qu'on a croisés à l'entrepôt. Ouais, donc c'est des gueux quoi. J'ai pas du tout confiance dans la traversée de ces trucs. On mais... entend tirer là, non? Ah, j'entends pas du tout. J'ai l'impression qu'il y a des mecs qui se fritent. Ah bah c'est dans la ville, c'est dans la ville. Ok, tourne à la prochaine à gauche. Oh wait, t'as loupé le passage de J. Revenez en arrière équipe, revenez en arrière, vous avez loupé le point de passage I. Non, nous tire dessus en plus. Je crois que le véhicule il est cassé. Non, c'est bon. De quoi? Qu'est-ce que t'as fait avec le véhicule? Bah on a eu déjà un peu moisi alors là, il a encore plus moisi. Ok, attends. Ok, équipe B, stop. Stoppez votre véhicule. On a un souci. Notre véhicule nous a lâché. Ouais. Les pneus ont crevé. On va donc utiliser le véhicule de verre pour vous rejoindre. On passe à deux véhicules. Merci. Je vais péter le véhicule ou quoi? Non, laisse-le. Tout pété. Allez, en avant. On va éviter de casser vos roues aussi. De crever vos pneus. Non mais attends, t'aurais dû voir l'équipe bleue comment ils conduisaient. Ah mais j'ai vu hein, t'inquiète pas, quand ils sont passés devant ils nous ont bien... Ah oh, c'est à gauche. Ouais. Ah c'est bon, ils tournent. Ok, équipe bleue en avant, hein. Vous nous attendez au checkpoint J. Ils faisaient des sauts le machin. Ah ouais. Mais par contre c'est assez bizarre dans ce véhicule, on se voit tous en mode tir, enfin c'est... J'avoue. Ok, à tous, on s'arrête devant le cimetière. Non, moi je vois tout le monde en mode normal. En mode tir, ceux qui sont à l'arrière. Non, moi normal. On débarque. On planque le véhicule dans le cimetière là. Pas dedans, ça pue trop. Ok, à tous, on descend des véhicules. Descend des véhicules, tout le monde. On les garde pas dans le cimetière? Non, mais t'emmerdes pas si on doit les reprendre plus tard. En colonne et squad espacés de 10 mètres chacun. Ouais, ça passe.
Ça passe, ça passe. C'est quoi cette eau? Qu'est-ce qu'elle fait là? Elle est magnifique. Mais il a mis des mechas et tout. De quoi? De quoi, de quoi? Et plus on se rapproche de la ville, plus les FPS s'en vont loin. Oui, mais ça, tu sais, c'est la vie, non? This is the town. This is the town, yeah. Merci. Vous avez quelque chose à dire, chef d'équipe? Oui, que vous avez mal fait vos lacets de vos docks. Bah ça, je suis désolé, mais c'était pas moi qui les ai fait en fait. Pour toutes les squads de Halt, on a une tour, on a une putain de tour de château en direction du nord-est. Jordan, tu pourrais la checker. Oula, oui d'accord, ça se fight bien dans la vie quoi. Château de Takeshi. Arras la tour. Ouais. Arras la tour. Ok. Ok Jordan, tu rouves la marche, on part en direction du nord-nord-ouest. Nord-nord-ouest, autre checkpoint, c'est parti. En colonne, tout le monde espace de 10 mètres. Ah, t'es avec des espèces de 10 mètres. Espace de 10 mètres, putain. En colonne, espèce de 10 mètres. Et il fait notre pire ennemi est le RCC. Alors, oui, 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 t'as vu toi aussi. T'as moi comme un gros con qui fait, même dans Quantum Break, j'arrive à faire de la pub pour Arma 3, c'est comme... T'as cette musique un peu pop, là. Oui, ça fait pop. Le hip-hop. Lali-pop, lali-pop, lali-lali-lali-pop. Oh, là. Ouais. C'est pas le même registre, effectivement. Je préférais le lip-hop. Bah le cul. Ça serait bien qu'il y ait un mec qui passe devant, que si un mec arrive avec mon fusil, je vais rien faire. Ok. Boum. Ah bah à part ça. Je suis derrière toi de toute façon, je te colle. Ah cool. Attends, ça a tiré en face, non? Oui. Y'a pas eu un tir en face? Si, y'a eu un tir en face. On est arrivé au checkpoint justement. Bah, ok. Je passe de l'autre côté de la route là, j'aurais peut-être bien mieux. Vas-y, on va continuer et on va faire un assaut dans pas longtemps. On devrait pas tarder à arriver sur bout. Ok à tous, on me suit en dispersé. Vas-y Jordan, continue à passer devant, je suis derrière toi. On devrait pas tarder à arriver en direction des caches d'armes. On essaie de faire ça discreto, c'est rapido. Ah oui bien sûr. Tu veux pas qu'on soit invisible aussi? Bah si. Le mouflage activé. Commandement et squad alpha. Squad alpha à l'écoute, commandement. Ok, pour toutes les squads, stop. 360. La ville est maintenant aux mains des Russes. Vous n'avez plus aucun danger venant de celle-ci. La ville aux mains des Russes, ok. Au commandement. Ok, ce qu'on va faire dans ce cas-là. Oui, oui. Information de haute importance du commandement. On nous informe que les Russes contrôlent la ville et qu'on n'a plus aucun risque. Ok, dis-lui que c'est bien reçu. Les gars, vous avez pris trop de temps, on a pris la vie. Ils allaient se faire foutre. Écartez-vous, Backbus. 3, Backbus. 2, 1. En avant. Ah, allez, balancez vos grenades, c'est parti. Grenade. J'ai un lapin. Allez, grenade envoyée, c'est parti. Go, go. Arrêtez d'envoyer des grenades, c'est bon. Je suis un mec. Je me fais le leader se fait engager, impossible pour moi de bouger. Il y a un mec au nord-nord-est qui me mitraille. Tu es là Mika ou pas? Je peux passer vers toi? Ouais, je passe vers toi, attends. Attention derrière le petit bateau. Petit bateau. Silencieux, Miguel. Attention aux grenades, hein. Arrêtez de balancer des grenades, les gars, on est trop proches.
Sécurisez les bâtiments, sécurisez les bâtiments. Il est à terre. Je crois qu'il a voulu dire douche car avant de mourir. Jordan, t'as un contact de ton côté? Opérateur radio blessé. Leader blessé. J'en ai eu deux sur l'un des hangars. Je répète, Miguel est à terre. Je peux faire péter un camion de mine dans un des deux hangars. Demi-K à Kylian. J'ai à proximité de moi. Qu'est-ce que tu fais? Je peux te le faire sauter si tu veux. Bah justement, j'en ai. Je pourrais la poser maintenant, comme ça si on doit se barrer. Ah non, c'était Jordan, putain. Je savais que t'étais intéressé par la moto, mais... Oui, c'est qui? Y'a personne, non? Que dalle, ici. On va quand même y aller. Non, elle est pas ok la maison, faut aller la sécuriser. Il y a des munitions dans l'entrepôt qui faisait face au camion de munitions. C'est qui ça? On le tirera après, on va tenter. Ouais, c'était un mec. Sud-est. Are you sure of that? Oui, j'ai eu, il était dans le buisson à côté de toi. Ok, got it. Il nous reste une maison à sécuriser encore, c'est tout. Tu peux m'apporter la charge, ton amour propre. Désolé, tu pourras pas obtenir ça. Ah ouais, c'est ce qu'on va voir. Putain. Ok, maison clear. On pose les charges et on se barre d'ici. C'est le voleur d'amour propre. T'es con. Vas-y, file, mets dans le sac. Attends, t'es où? Ah, je te mets l'amour propre dans le sac. Fais gaffe, ça explose. Leader! Merde, je t'ai foutu les roquettes, tiens, je t'ai mis deux charges. Je t'ai mis une roquette. Oui. Je fais une petite sieste, je vous dis à demain. Ah, d'accord. squad. Escouad pour QG. Faut la longue, petit. Escouad pour QG. Bon, écartez-vous de là. QG à l'écoute. Non, c'est bon, t'inquiète. On se prépare à faire péter les charges de démolition. Attends, avant de faire péter, Mika. Tout le monde prenait une distance sécurité raisonnable avant de faire péter. Mika, tu fais péter juste à mon ordre. Je transmets un ordre au QG et on y va. Est-ce qu'on a une zone d'extraction Est-ce qu'on a une zone d'extraction QG pour les squads? Allez, venez à la maison, sinon ça va faire... Je pense qu'on va se prendre des débris. Non, ils ne toucheront jamais l'amour propre, jamais. Retournez au véhicule. Ok, c'est bien pris. Le cimetière sera votre point d'extraction. Ah, le cimetière sera votre point. Ah, j'ai cru votre temps. Fais péter, Mika. Ouais. Oh. Et voilà. Ouais, pareil, c'est un peu déçu. Ok, objectif validé. Qui c'est qui a passé une chape? Jordan, fais pas ça. Allez, on se barre tous d'ici. Oh mon dieu! Jordan est compromis, je répète. Jordan, il faut qu'on retourne au cimetière, tout le monde.
Tout un Miguel, DJ jaune, n'importe qui vous ouvrez la voie. Il reste un contact. Hein. Là, genre, il est famagé. Bim, je l'ai tout fou net. Il a résisté à de l'HK, quoi. Je l'ai eu au PAMAS. J'espère que l'amour propre n'a pas pris de balle. J'imagine tellement le truc. Ici, chef d'escouade. Étonnamment, le QG a eu un petit point d'hésitation concernant le cimetière. Il m'a dit le cimetière sera votre point d'extraction. Sera votre point G. Mais enfin, QG, que se passe-t-il? C'est ça. Ce cimetière sera votre tombeau. Ce tombeau sera votre tombeau. C'est bien ça. Ah c'est bien. Squad leader, where was the cemetery? Le cimetière est au sud. Sud-sud-est en direction du 160. Direction du 160. Je peux plus courir. Bah mets ton arme. De toute façon. Lollipop. Amour propre. Voilà. Kylian. Écoute, c'est la chanson. Je refuse d'écouter cette chanson. Dans les films, écoute, c'est notre chanson. Eh, mais c'est notre chanson. Waouh, split épique. J'adore cette musique. Ça, ça veut dire qu'on a gagné ça. Tu vois qu'on va se manger un gros tir d'artillerie dans la gueule. Attends, non, c'est pas fini. On va d'abord au cimetière. Le QG, le cimetière sera votre point d'extraction. Ok, on arrive au cimetière, sécurisez-le quand même au cas où. Putain. Ah, bien joué.